Hey, salut à toutes et à tous, c'est La Pomme. Comment allez-vous? Moi, c'est vraiment super. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui, j'espère, comme d'habitude, vous plaira. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Gélécro. Donc, salut à toi. Salut à toi, donc tu vois les gars, on est en duel commentary, comme vous aurez pu l'entendre. Donc je vais tout de suite présenter le sujet qui lui s'intitule Le gaming est-il une perte de temps? Donc avant toute chose, je vais présenter le gameplay. Donc le gameplay est un record FR que j'ai réalisé moi-même, donc sur la map Yémen. Donc j'étais en ligue, en point stratégique, donc en championnat. Donc dans cette vidéo, j'étais level 1, mais vous voyez en ligue, parce que je venais de créer mon roster, mais en ligue, même si on est level 1, et ben on a quand même nos classes, mais voilà, il y a pas de drone et tout, donc c'est quand même considéré comme level 1. Donc après même ma classe tout simplement. Donc dans cette vidéo j'ai réalisé une nucléaire avec bah tout simplement 47-0, donc 47 de ratio. Donc j'ai pas fait 47 G, j'ai juste fait à peu près la nucléaire plus 2 invincibles en plus. Mais voilà, donc j'étais en groupe de 2, donc on m'a dit que c'était considéré comme du solo. Mais après, pour l'instant moi je vais mettre solo, mais si ça dérange quelques personnes, j'enlèverai solo tout simplement. Donc voilà, donc je vais laisser la pomme verte donner son avis sur le gaming est-il une perte de temps. Donc comme vous l'aviez dit, le sujet c'est le gaming est une perte de temps. Mais d'abord les gars, avant de commencer le sujet, je tiens vraiment à ce que vous restez respectueux dans la barre des commentaires, parce que si vous n'êtes pas comment dire, si vous n'êtes pas trop d'accord avec ce qu'on va dire, ben on voudrait vraiment que vous exprimiez dans la barre des commentaires. C'est un peu pour ça que le créateur de YouTube a fait sa voix là. Donc je vais pas m'attarder sur les créateurs de YouTube. Donc voilà, donc je tiens à vous dire déjà que le gaming c'est surtout quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que c'est surtout une passion pour moi. Il faut savoir que d'abord un jeu vidéo c'est avant tout pour s'amuser, et c'est ce que je fais voilà avec ma team, Gélécro, etc. On aime bien démonter voilà des plots comme on avait fait tout à l'heure. On en a bien poune voilà. Mais avant tout les gars, il faut quand même passer sa vie est réelle avant celle de l'in-game. Parce que voilà, je vais vous citer les raisons, mais c'est pas moi en fait, excusez-moi, mais ça va être plutôt Gélécro qui va citer les raisons. Donc ouais, moi aussi, mon avis, je trouve aussi que c'est plutôt, le gaming, c'est plutôt une passion pour moi. Mais après, voilà, après qu'on en devient accro, c'est plus, faut un peu stopper le temps de jeu, parce que ouais, voilà, la famille, ça passe quand même avant tout. Et tout simplement, donc même, par exemple, si vous avez une relation amoureuse, bah ne laissez pas le gaming avant ça, parce que voilà, c'est vraiment bien pour vous d'avoir une relation amoureuse, ça vous fera changer d'air un peu. Et même si vous pratiquez un sport, bah je vous conseille de ne pas louper vos entraînements et de le remplacer par du temps de jeu tout simplement. Parce que même moi avant, quand j'avais sport, et bah souvent voilà, je disais à ma mère ouais j'ai pas trop envie d'y aller, j'ai mal à la jambe et tout, et au final je jouais. Donc je vous conseille ouais de pas trop passer la vie in-game avant l'IRL tout simplement. Ouais voilà, donc t'as tout à fait raison sur ça. Donc est-ce que t'as quelque chose à dire à part ça, autre chose comme ça Bah des... Non, non, vas-y, dis ce que t'allais Bah dire. voilà, donc en fait, je vais exposer ma petite conclusion sur le gaming est une perte de temps. Donc pour moi, c'est juste une chose qui nous détache de la vie IRL. Bon, c'est sûr, après, on a des proches comme nos parents, nos grands-parents, peut-être nos tantes, nos oncles, etc. La MIFA, quoi, voilà. Ils vont vous dire que ça sert à rien, que ça va pas vous mener à quelque chose, que c'est pas avec une PS3 que vous allez arriver à être avocat, bac plus 4, bac plus 3, je sais pas combien, bac plus 5, ou je sais pas, voilà. Bon, c'est vrai qu'ils ont un peu raison. D'un côté, ils ont raison, mais voilà, en fait, si vous voulez, ils ne voient pas en fait que vous faites des amis sur la vie in-game. Mais quand même, on ne peut pas les en vouloir, parce qu'ils sont quand même dans une ancienne, ils étaient dans une ancienne génération où les consoles n'existaient pas, voilà. On peut pas les en vouloir. Je sais même pas si la Nintendo 64 existait à l'âge de nos parents, voilà, quand ils étaient jeunes. Mais voilà, vous m'avez compris. Ils étaient dans une autre époque et nous, on est dans le turfu, tu vois ma gueule. Non, je déconne. Honnêtement, les gars, ils ont un peu raison, mais quelquefois ils ont pas trop raison, voilà, vous m'avez compris. Et donc voilà, donc je te laisse ta petite conclusion si t'en as une. Donc ouais, ouais moi aussi je trouve que même sur niveau in-game, on peut quand même découvrir vraiment beaucoup de gens qui sont vraiment sympas avec toi, et même ça peut devenir des frères comme ça, voilà. Et je voulais dire ouais aussi pareil pour vos parents tout simplement. Pour moi par exemple, ma mère, et bah vraiment elle n'a pas la même vision que moi sur les jeux vidéo. Et comme l'a dit la pomme, c'est pas grâce à la PS3 qu'on aura un salaire comme ils nous disent, voilà.
Donc personnellement, comme je vous l'ai dit auparavant, bah juste avant là, de vraiment passer, essayer de varier un peu bah vos temps de jeu, de les baisser, voilà. Parce que si vous jouez trop, vraiment c'est pas bon pour vous, et même après voilà, vous. Personnellement, bah, moi avant je jouais vraiment beaucoup, et voilà, j'étais bah, je venais méchant avec ma mère, etc. Enfin, je sais pas si méchant c'est vraiment le mot à employer, mais voilà, je lui répondais mal, Ouais, etc. c'est sûr, Donc ouais, c'est voilà, sûr. donc ouais, donc après j'ai plus trop rien à rajouter sur bah, sur ça, tout simplement. Je voudrais aussi peut-être rajouter un petit truc, voilà, donc à cause de ce petit truc, voilà, j'ai raté, on va dire, entre guillemets, 2 années qui étaient quand même assez importantes, plutôt une plus que l'autre, voilà. Donc la première année, c'était la cinquième, je l'ai complètement raté, mais vraiment un truc de ouf, parce que j'ai passé le in-game avant la vie IRL. Et pour ma deuxième année, c'était la troisième, les gars. La troisième, ça a été la pire année. J'ai failli redoubler. Ça a été vraiment ma pire année. Des mauvaises notes, avertissement de travail. Bon, comment dire? Les temps de jeu, je regrette pas, mais voilà. C'est sûr que quand tu vois les conséquences maintenant, c'est un peu bête, voilà. Mais bon, là tu vois quand même, moi perso c'est bon, je suis dans un bon lycée, voilà, tranquille, 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 voilà. Désolé, j'ai un peu bégayé, mais c'est pas grave. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je sais pas si on l'avait dit au début, mais on tente l'envoyer à certaines chaînes communautaires comme la CISO Family, la Player Dream, pourquoi pas Code CF, Code QG, si c'est possible, bien sûr, hein, puisque on n'a pas un perso, j'ai pas un commentaire un vrai commentateur, voilà, vous m'avez compris. La même. Voilà. Donc je présente ma chaîne, à part si tu veux commencer. Non, vas-y, comment je te la laisse présenter? Donc voilà, moi mon pseudo c'est la pomme verte. Donc mon pseudo en fait, il est venu avec un pote à moi, un petit délire. Bon, j'expliquerai peut-être dans une autre vidéo pour mes abonnés ou bien pour mes futurs abonnés, on verra ça plus tard, mais on s'en bat les couilles. Donc moi sur ma chaîne, je propose du Call of Duty principalement, de la performance que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que la performance, c'est une catégorie de jeux, si on peut dire ça, voilà. Il y a le Deserto, il y a le e-sniping, il y a le trickshot, mais voilà, on peut dire qu'il y a une autre catégorie, c'est la performance, et voilà. Donc j'en fais partie, je participe, voilà, on va dire, à la dans la catégorie performance, voilà. Donc ce qu'ils savent pas encore, la performance c'est quoi, c'est tout ce qui est plus tranquille, les nucléaires rapides, etc, etc, voilà, les gros scores, des trucs de ce genre, voilà. Donc je te laisse présenter ta chaîne, et je te laisse, ciao. Donc moi sur ma chaîne je propose des vidéos sur Call of Duty. Donc mon pseudo c'est Gélécro. Donc ouais, mon pseudo moi personnellement il est pas trop venu un peu difficilement, il est un peu venu facile, parce que voilà, j'avais une ancienne chaîne avant. Donc sur ma chaîne j'ai actuellement 60 abonnés à peu près, mais avant sur mon ancienne chaîne j'avais là au moins 150. Donc voilà, donc je propose des vidéos sur Call of Duty comme je vous l'ai dit. Donc pour l'instant j'ai pas encore avancé de Warfare, mais je l'aurai sûrement prochainement. Donc voilà, donc je propose un peu de performance, mais pas de la performance de ouf, un peu de la perf au calme, voilà. Donc voilà, donc en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et pourquoi pas passer sur nos chaînes si on passe sur les chaînes communautaires, bien sûr. Donc on vous remercie énormément si vous nous plaidez. Et n'hésitez pas vraiment à donner votre avis dans les commentaires. Ça fera super plaisir de voir votre avis à vous, s'il est à peu près pareil que le nôtre ou pas. Donc la pomme, je vais te laisser le mot de la fin, voilà. Ouais, donc ce serait vraiment un truc de ouf, les gars, si on passe sur une chaîne communautaire, ce serait vraiment un truc de malade, les gars. Ouais, voilà, un truc de malade. Bon, les gars, moi je vous laisse, ciao, bye bye, et portez-vous bien. Ciao, bye bye. Vous serez récompensé.